Ça fait plaisir. Ça faisait un long moment qu'on n'avait pas pu faire un petit cri. Et donc ça fait toujours plaisir de renouer avec la victoire, on va dire. Bon, comment vous êtes trouvé là? Vous avez l'équipe vachement solidaire au diapason. Franchement, je trouve qu'on a fait une bonne entame de match, je trouve. On a bien commencé le match. On a réussi à concrétiser les actions rapidement, ce qui nous met en gros sur la bonne voie et qui envoie une bonne dynamique à l'équipe. Ce qui fait qu'après, on est tous solidaires, on avait envie de bien faire, surtout à domicile, parce que c'est notre deuxième victoire à domicile. Donc ça veut dire qu'on avait à cœur de préserver ce résultat et de l'emporter face à cette équipe. Après, on a bossé sur l'entraînement avec le coach. Il nous avait donné on va dire, les clés pour pouvoir gérer leurs excentrés, leurs points forts. Et je trouve qu'on a réussi à bien le faire sur ce match-là. Donc, on va dire que c'est un beau travail collectif de la part de l'équipe, toute l'équipe. C'est pas le premier match que vous dominez cette saison, mais en tout cas, on avait l'impression qu'à chaque fois, il y avait ce manque de chance, ce truc qui se retournait contre le FC Lyon. Aujourd'hui, vous êtes presque épargné la peur des 10 dernières minutes. On a l'impression que c'est un peu le mauvais sort qui est votre faute. Ah, j'espère. Franchement, je croise les doigts pour que ça puisse nous mettre sur une dynamique, cette victoire aujourd'hui. Après, comme vous l'avez dit, depuis le début de saison, on n'a pas eu, on va dire, de réussite, pas eu de chance. Il y a beaucoup de choses qui ont été contre nous. Et ce soir, on a la chance que ça tourne pour nous. Après, pour moi, il n'y a pas de secret. Je pense qu'on rentre bien dans le match. Ce qui fait que dès le départ, en fait, on a ce truc qui nous met dedans. Et après, on arrive à marquer. Et après, ça va tout seul, en fait, ça déroule. Donc, j'espère que ça va nous mettre sur une, comment dire, ça va nous lancer sur une dynamique et qu'on va pouvoir enchaîner pour le prochain match, espérer décrocher une victoire aussi à Bastia. En plus, ça va être un match pas facile. Donc, on espère faire un bon résultat aussi là-bas. Comment tu trouvais les petits jeunes encore dans votre compte de départ? Bah, franchement, ils ont donné ce qu'ils avaient à donner. C'est bien, ils nous ramènent comment dire, du sang frais, de l'impact, parce qu'ils n'ont pas forcément toujours joué. Hein. Ils sont pas dans la dynamique, on va dire, la mauvaise dynamique, on va dire, qu'on a pu avoir. Pour le reste de l'équipe, ils ramènent du sang frais, on le sent sur le terrain, ils ramènent de l'impact, ils donnent ce qu'ils ont à donner, et ça nous fait beaucoup de bien. La seule mauvaise nouvelle de la soirée, c'est que t'es plus qu'au meilleur buteur du coup. Ah, j'ai envie de vous dire que ça me fait plaisir. Ah, j'ai envie de vous dire que ça me fait plaisir. Que ce soit Yvan Botella là qui marque encore ce soir. Ça me fait énormément plaisir et j'espère qu'ils vont en mettre encore plein d'autres. Comme ça, pourquoi pas? Ça sera bien pour l'équipe.